Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vieille Ville, donc revenons déjà à La Vieille Ville. Donc précédemment, c'est quelque part par ici, je pense. Non, je ne sais plus où était le siège que nous venons de contrer. Non, parce que là, on en a contré un ici dernièrement, là. Et donc, il suffit de retrouver où est le deuxième gros pit de lave. Donc là, vous foutez de moi parce que voilà, je l'ai déjà passé tout à l'heure et je ne l'avais pas vu. Donc voici l'endroit du deuxième siège qui est, eh bien dorénavant, enfin terminé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans tout ça? Nous allons... Ah oui, ça c'est du gravier. Bien miner ici et poser des murs. Déjà, je vais miner ça parce que ça me choque. Donc on va miner bien tout ici. Et puis... Eh bien, en partant d'ici à là, je crois que nous allons pouvoir miner bien tout ceci. Et ce sera déjà un très bon début pour la suite. Donc j'aimerais beaucoup, comme je répète maintenant à chaque épisode, obtenir des nouveaux vitoyens. Parce que c'est quand même ça qui me manque cruellement pour aller plus vite. Et donc là j'avais demandé de récupérer des bananes et récupérer des radis, donc on va pouvoir faire de la jungle salade. Et on va en demander toujours 4. Et d'ailleurs on va essayer sans lui demander de récolter les bananes et les radis pour voir s'ils sont assez intelligents pour les récolter d'eux-mêmes. Alors... Ah oui, non... Alors, on va peut-être pouvoir faire des cookies. Enfin, on verra. On verra. Est-ce que des... Oui, bah je pourrais faire... Ah oui, non, pour ça il va me falloir fatalement du fer. Donc on va laisser ça de côté pour le moment. Par contre, ce qu'on va demander de réaliser, ça va être... Eh bien, 10 armures de chaque. Oups, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 10 et 10. Donc comme ça, je serai capable d'armurer tous mes vitoyens. Et donc très prochainement, j'imagine que nous allons faire des armes pour aller avec les armures. Et j'espère avoir un afflux de quelques vitoyens prochainement. Si j'arrive à avoir quelques vitoyens prochainement, eh bien on va pouvoir se lancer à l'attaque de la suite. Donc je suis en train de regarder Cooper Goblinite, mais je n'ai pas de Goblinite, j'ai de la Spiderite un petit peu, il faut Iron, ça zombie j'ai pas Spiderite, donc à chaque fois pour la Spiderite il faut du fer. Donc en théorie à l'étage ici on devrait avoir des gobelins, donc mon cuivre va enfin commencer à être utile. Voilà, donc on va faire quelque chose d'absolument passionnant qui est de détruire la boue. Voilà. Et je vois aussi qu'il faut que j'ouvre un tout petit peu plus si je veux que mes murs ne soient pas moches comme ceci. Alors normalement j'ai du bois qui doit être dans les ressources. Oui, j'ai du bois. J'ai du bois, donc normalement il devrait me faire mes murs. Sauf que forcément, vu que je n'ai pas assez de vitoyens pour faire tout ça, fatalement, ça a tendance à poser problème. Je vais faire une petite échelle ici pour voir si j'arrive à attirer mes héros là-dedans. Au pire, je la casserai si jamais je me fais trop envahir. Que là, si j'arrive à descendre là-dedans et récupérer un peu de fer, ça sera extrêmement intéressant pour et bien toute la suite du jeu. Je suis envahi de vaches, mais vraiment envahi. Donc on va regarder dans les utilities. Il me semble que pour faire une butcher table, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cuire
Stove or cooking fire. Donc stove, il me faut ça, mais cooking fire. Mm-hmm. Wood et flint. Donc il me faut du gravier. On va récolter du gravier. Donc j'ai un peu de flint ici. Donc ça c'est ma kitchen, j'ai des butcher tables. Il faut des kitchen tables. Donc kitchen table, c'est laquelle? Butcher's table, kitchen table. 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc nous allons prochainement avoir des steaks. Très bien. Très très bien. Nous allons avoir des steaks pour mes vitoyens. Donc on va casser un peu de boue en attendant que ça continue à avancer. Et c'est encore d'ailleurs un épisode où il ne se passe pas grand chose. À part qu'on devient vraiment communautaire au niveau des chambres des différents vitoyens. Je pense que je vais augmenter l'attrait des chambres. Ah bah il a été visiter le petit bout qui reste. Finalement, après très longtemps, ils sont enfin décidés à aller visiter la suite. Alors, est-ce que... Non, lui veut pas visiter. Enfin, elle ne veut pas visiter. Maria Ken s'en fout complètement qu'il reste des parties non visitées du donjon. Donc, détruire la boue et on va faire ça comme ça. Je pense que j'ai augmenté la désirabilité des chambres en leur ajoutant quelques petits meubles. Ah, je crois que j'ai détruit une porte sans le faire exprès ici. Alors, des murs. Wooden wall. Ah, bon, on va faire des murs bleus ici, tiens. Hop. Hop. Et voilà. Ah bah, forcément, il y avait un peu de boue en trop. Ah non, bleu. Voilà. Hop. Ah, je vais y arriver. Forcément, j'ai oublié un petit peu de boue. Et voilà. Détruire. Mur. Ish. Donc je peux mettre des murs sur les personal rooms. D'accord, c'est bon à savoir, mais pas forcément super sympathique à faire. Donc voilà, j'ai toujours plein de farine ici. Alors, personne ne fait vraiment grand chose, mais en même temps, ils ne sont pas beaucoup. Donc on va mettre... Eh bien... Allez, une petite chaise ici, là, une chaise chacun, vous battez pas. Hop, ça, j'ai eu un tarif sur les chaises. Toc. Et encore une dernière ici. Voilà. Du coup, s'ils sont très très gentils, ils auront bien une table avec leur chaise, peut-être. Donc pour le moment, il y a l'air d'être en grande construction de plastrons et d'armure. Mais je pense qu'il est temps de nous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans un nouvel épisode de La Vieille Ville. À demain.